parle beaucoup. Il s'est réveillé avec un rêve. Il réunit toute la famille. Je vais garder ça pour toi, pour un sujet de prière. Parlez, parlez. Il dit, ah, dans ce coin, il sera chef de nous ici. Ils l'ont pris, ils l'ont vendu. Ils l'ont jeté d'abord dans le puits. Ne vous confiez pas à tout le monde comme ça. Même ton argent, même tes activités. Quand tu sais que tu as confié ça à quelqu'un, tu crois en lui, tu le maîtrises. Tu ne maîtrises pas celui qui va te maîtriser. Amen. Ce sont les parents de Joseph qui l'ont dit. Ils l'ont vendu. À cause de quoi? Son étoile. Parce qu'il a vu, ils l'ont vu, ils ont détecté en lui que c'est lui qui devait être chef demain. Il devait régner. Amen. Soyez très prudents. Jésus n'exclut pas la prudence. Hein. Lui-même nous conseille ça. Il dit humble, on ne va pas accueillir tout le monde, mais prudent. Amen. Quand les gens parlent de l'humilité, il faut être humble, mais la prudence. Et Jésus dit, comme serpent, serpent il fait peur, il pique la venin, mais il a des qualités. Jésus continue, il dit, sois prudent. Le serpent, il a frappé s'il vient plus. Amen. Moi, comme ça, je suis. Je fais confiance. Le jour où tu m'as trompé, ou tu m'as menti une fois, c'est fini. Vous savez, il faut prendre la peine, mais pas me mentir. Si aujourd'hui tu m'as menti une fois, tout ce que tu vas dire derrière, je ne crois plus en toi. Je sais, Dieu, tant que ça va mentir. Si tu es arrivé chez moi, c'était tu m'as dit, tu t'as attrapé dans le mensonge. Tout ce que tu dis, tu as déjà vécu ta relation à moi. Je ne vais plus te croire. Soyez prudent comme des saints. Ce manque de prudence qui fait que le diable accède à vos maisons. Vous envoyez prier, ah non, comme c'est l'enfant de ma tante, mais ça fait petit, son enfant est mort. Oui, bon, comme la fille doit venir laver les assiettes, il n'y a plus de tiens à venir laver. Ça fait quoi? Quand le mari peut venir, tu comptes mes parents, pourquoi? Tu es sorcier, tu vois ton mari sorcier, tu mets le feu sur lui, tu le lis dans ta prière, tu attaques monsieur, fais mon mari là le feu, c'est un sorcier. Je vais te montrer qu'il y a monsieur dans papa. Tu vas comprendre que matin, il y a sucre dans papa. Moi, je vais te donner un angile. Le monsieur dit, lui donne un angile. Prends un caillou, je le mets dans la gorge. Angile, matin, je voulais être angile. Amen. À cause de la sorcellerie, vous devez être très prudent. Vous devez mettre. Donc, le matin, vous parlez au jour. Il faut que Dieu vous donne des rencontres prophétiques. Quand Samuel a parlé à Saül, après avoir envoyé Saül, il va dire à Saül, dès que tu me quittes, tu vas rencontrer des personnes qui te montreront le chemin à suivre. Il faut que Dieu te montre des gens qui te feront entrer dans ta destinée. Dis amen. Amen. Non, c'est ma prière. Pour que Dieu t'élève, il va te créer des rencontres. Il y a des gens qui doivent venir. C'est des hommes que tu vas utiliser. Il faut qu'il y ait des rencontres. Amen. Dieu ne descendra pas du ciel, c'est des hommes qu'il va utiliser pour te faire entrer. Donc, il faut que tu parles au jour. Et que l'aurore envoie cette personne. Ton mari qui dort, depuis là tu es là, sans mari. Il y a deux mecs qui disent, personne ne me dit plus. Quand je dis plus pour toi, tu vas te donner chien ou bien. Personne ne m'appelle, il va t'appeler pour toi. Il faut qu'il y ait ton mari. Ce n'est pas l'homme qui va te boire, puis te jeter. Alléluia. Amen. Et que Dieu envoie. Si Dieu te fait entrer dans une journée, c'est une bénédiction. Ne peux pas te faire voir un jour et puis jouer ça. Vous ne savez pas qui voit le jour. C'est une bénédiction. Ce n'est pas tout le monde qui voit le jour. Vous jouez ça. C'est que les gens voient le jour comme prendre balai, allumer le feu, aller au champ, on est fatigué, on vient faire tarot, tout boum. Puis on dort, puis on est mangé à 20h. Pas ma cauchemar. On fait la même chose. Journée. Moi, je joue pas ça. Amen. C'est parce qu'on ne savait pas ce qu'on appelle le jour. C'est-à-dire, c'est la lumière, c'est la gloire. Tu viens de dormir, il y a l'obscurité. Dieu te fait voir le jour. C'est la gloire. Quelque chose doit se passer dans ta vie. Amen. Il faut que quelque chose de merveilleux se passe dans ta vie.
Vous jouez le jour. Jouer la journée. Non, cette journée a été difficile. C'est toi qui as fait une journée difficile. Tu n'as pas parlé à Laurent. Il dit, est-ce que tu as une fois parlé, commandé aux autres, tu as menti à Laurent sa place? Vous avez le pouvoir de Dieu. L'homme a été créé à l'image, hein, de Dieu. Et la Bible dit que dans Genèse, il est dominé sur toute chose, dominé sur la nature. Tu dois dominer sur le temps. Dis amen. Amen. Tu dois dominer sur la nature, tu dois dominer. Tu es le maître de cette créature. C'est là, tout ça, ça t'appartient. Dieu t'a confié ça. Amen. Jouer le jeu, jouer le jeu. Une journée, où jouer ça. Non, je suis allé travailler, ça va marcher. C'est toi. Je suis allé déposer un dossier. Quoi? Moi, j'ai déposé un dossier, ça va marcher. C'est que l'Éternel n'est pas à vous. Pourtant, Dieu est à vous. Vous ne savez pas ce qui est en vous. Vous jouez le pouvoir de Dieu. Amen. Amen. Parlez aux gens. Vous devez parler aux gens. Vous devez parler à l'aurore. Et c'est ça qui est important demain. Parce que nous allons aborder un mois très important. Amen. Amen. Et demain, la veille, je vais vous expliquer pour comment commence l'année. L'année a déjà commencé en décembre. Ça commence déjà en décembre. Je vais vous parler des calendriers que nous avons là. C'est un calendrier romain. Amen. L'Égypte et nous n'avons pas les mêmes calendriers. Il y a des choses que vous avez besoin de connaître. Et à partir de demain, nous allons régler 2015. Amen. Hmm? Amen. Tout ce qui est en veille, ça va commencer à s'allumer. Les gens attendent le 30e, j'en descends. 30e. Seigneur mon Dieu, bénis-moi. Et puis il a monté. Ils sont pressés sur eux. Le pasteur est très trop, pasteur. Ils ont réservé bas. Le. Tu es saoulé. La nuit. Du premier, du 30, au premier. On te prend en carnaval. Ah, tu vomis. On te soulève. Janvier, bonne année. Tu es saoulé. Bonne année. Ah, bonne année. Bonne année, comme ça. Comment faites la transition? Bonne année, tu es saoulé. Comment ça avait quitté Nathalie déjà le 4 janvier? A quitté ton sang les 4 janvier. Non, il est fêté. Tu as fêté. Mais est-ce que tu as poursuivi l'année? Je jouais la spiritualité. Je ne sais pas que c'est la spiritualité qui fait l'homme. L'homme n'est pas que physique. C'est tout ce que nous avons négligé. Parce que le diable sait. Pour ça que l'ignorance, c'est la plus grande des maladies. Faites, c'est quoi? Il va manger, boire. Hein? C'est changé là dans ça. 1er janvier, tu n'as pas mangé et puis boire. C'est pas ce que les gens font en fait. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas faire après. Mais les jours et les clubs de pas vous amusez. La transition. C'est pour ça que demain, il faut que chacun ait au moins une bouteille. L'esprit, ça dit, vous devez parler. Parce que la Bible dit dans le livre de Psaume, l'onction d'une est comme une couronne sur la tête de moins. Comme une couronne. Or, la couronne, c'est symbole de gloire. C'est un symbole d'autorité. Et à partir de la couronne, tout vient. Et quand vous lisez un peu le psaume 89, à partir du verset 21, il dit, David est mon... J'ai choisi David, mon serviteur, je le prends. Amen. Donc demain, c'est la transition. C'est important. Nous allons lâcher 2014. Amen. Et nous allons aborder le 2015. Vous comprenez? 2015. C'est une année où beaucoup de choses doivent se passer. Une année où le diable doit te restituer tout ce qu'il a voulu. Amen. 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 Quand vous regardez un peu l'image du peuple d'Israël en Égypte, quand vous regardez, lisez beaucoup la Bible. Quand le peuple quittait l'Égypte, ils ont pris tout ce qu'ils ont eu de l'Égypte. Ils sont sortis avec les biens de l'Égypte. Toi, tu es en captivité, tu es là. Mais quand le diable te libère, là, il doit te libérer avec tous tes biens. Amen. Il doit te libérer. C'est pour ça que les gens commencent à murmurer. Parce qu'ils venaient chez eux, ils allaient tout perdre. Ils sont partis avec tout et tout. Devant la mer Rouge.
Ils ont conscience. Parce qu'ils savaient qu'ils avaient tous les biens. Amen. Pharaon a ordonné que les gens partent avec tous les biens. Ton Pharaon doit te restituer ce qu'il t'a volé. Amen. Comment toi, tu es une fille, tout le monde te prend comme le midi. Tu es belle. On jette. Tous les signes, tous les fossés, tout le monde t'a déjà regardé. Tu vas faire la. Oh. On va dire amen. Amen. Vous êtes 2012, 2015, soit pour nous une année de bénédiction. Mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as dit? Tu n'as rien fait. Donc 2015, tu ne vois pas. Tu ne sais pas que le temps. Peut-être qu'il y a parlé. Amen. Il a ordonné. Il n'a pas dit Seigneur, il t'ai dit non. Arrête-toi. Et ferme. Sinon, ma parole. Ce que tu as dit pour que 2015 enregistre. Tu as dit quoi? Vous voyez, moi, en train de passer, vous dormez. Ça vous dit rien. Ça vous dit rien. Vous pensez que c'est fait d'argent? Premier. Vous savez que c'est la tête. C'est ça le fondement, le commencement. On dit au commencement, Dieu créa. Qu'est-ce que tu as créé au commencement? Le jour commence, le mois commence. Qu'est-ce que toi tu as proclamé? Qu'est-ce que tu as créé? Pourtant, la Bible, au commencement, Dieu créa. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. C'est la parole qu'on prend pour créer toutes choses. Et Dieu est en toi. Amen. Vous avez le pouvoir de Dieu. Vous jouez ça. Satan, sachant ça, il te fait dire non, toi, tu ne peux rien faire. Toi. Va te montrer le jour où tu as cherché mari des gens. Deux ou trois. Quand tu commences à dire, tu es vaincu, Satan t'envoie fil où tu es sorti avec le mari de Suzanne. Ça vient dans tes yeux. Quand tu dis feu, ça vient. Tu te mets t'es découragé. Satan te fait croire que tu dis, oh, toi tu veux me chasser. Est-ce que tu fais? Tu es vaincu. Convaincu, là, commence à ralentir. À ralentir. Il t'avait dit, moi-même, le Seigneur, je suis pauvre pécheresse. Seigneur, je suis pauvre pécheur. Et tu sais des mots, tu avais dit, tu as choisi des prières. Au lieu de commencer à combattre, tu as commencé à te répandre. Seigneur, riche du diable. Amen. Dieu a fait au voyant. Amen. Amen. C'est pas tes pécheurs que Jésus te prend. Qui est juste ici? C'est le sang de Jésus qui nous justifie. Donc, si Satan veut te culpabiliser, Dieu lui est stop. J'ai été justifié par le sang de Jésus. Amen. Amen. Le pasteur reste le pasteur. Même si je tombe, il y a l'avocat de Jésus. Il est toujours là pour plaider. C'est le ministère que Jésus exerce aujourd'hui. Il est l'avocat, notre avocat. Ne vous laissez pas avoir. Combattez Satan. Combattez le diable. Il est fait pour ça. Ah non, vous chassez le diable. Mais vous voulez le chasser? Vous allez vivre avec lui. Quelque chose il est mauvais. N'a pas même dormi chez vous. Aïe. Vous combattez le diable, vous le voyez partout, il est partout. Amen. Moi, je ne néglige rien. Quand quelque chose m'arrive, je dis, ça ne doit pas m'arriver. Si ça m'est arrivé, qu'est-ce qui a fait que c'est arrivé? Ne négligez rien. Soyez des hommes. Souvent, vous dites, non, tu es trop spirituel. Mais oui, il faut être spirituel. Il faut être trop spirituel. C'est à partir de la spiritualité que tout vient. Le discernement, beaucoup de choses. Tu lui dis quoi? Tu es trop spirituel, mais où est trop spirituel? Quand on marche avec Dieu, on devient des esprits. Dieu ne fait pas de toi chrétien, il fait de toi un esprit. C'est un homme comme lui. C'est ça qu'il a appelé Abraham, il a changé le monde d'Abraham. Vous comprenez quelqu'un qui n'avait pas un enfant, on lui dit que tu es le père d'une multitude de nations. Il y a une des filles qui m'a appelé un jour, elle dit, madame, elle dit, pourquoi tu m'appelles madame? Et je, mais appelle-moi par mon nom, il dit, je te vois comme madame. Elle dit, ah, il te voit, madame. L'âme dit, amen. Il faut avoir le langage de Dieu souvent. Dieu a fait des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Amen. Vois-toi en train de te marier. Alléluia. C'est ça qu'il faut parler aujourd'hui. Ne jouez pas. Et en 2015, il y aura des séries d'enseignements que je suis en train de m'organiser. Faites de vous des hommes spirituels. Il faudrait, parce que nous sommes des ambassadeurs de Dieu partout. Partout. Là où tu es ambassadeur de Dieu. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Il faudrait qu'au travers de ta vie, que l'on comprenne qu'il y a quelque chose qui est en toi qui n'est pas en lui. C'est tout.
C'est ce qui va permettre à ton collègue ou à quelqu'un où tu restes, de respecter. Ce n'est pas ta Bible pour dire, voici ma Bible, je suis chrétien, voici ma carte de baptême, je suis baptisé en 1900. C'est le père temps. Eh, pardon. En ce moment, la Côte d'Ivoire n'est pas encore indépendante. Tes religions sont très fortes dedans. Ça y est, qu'elle impacte sur toi. Aujourd'hui, là, hein, nous sommes à l'ère qu'on a mis la globalisation mondiale. Les gens, c'est des preuves. Nous sommes réellement portables aujourd'hui. Des dernières générations, ça nous fait des choses terribles. Tant que ta vie ne devient pas un témoignage, il sera difficile que ta parole force. C'est ce qu'il dit à Jésus, fais de moi un témoignage. Laisse affaire de Jean 3, verset 16. Qui n'a dit qu'il ne connaît pas la Bible? Qui ne sait pas que Jésus est mort à la croix? Hein? C'est la Bible même. C'est pour ça qu'il a envie d'aller l'évangéliser. Eux, ils ne connaissent pas. Ils sont dans la, comme des singes dans la brousse. Je prie Dieu pour aller les évangéliser. Moi, c'est mon rêve. Je dors, je rêve. Je vais chasser des démons d'un pygmée. Oh là là, ça serait trop intéressant. Chasser des démons d'un pygmée. Qui ne sait pas que Jésus est mort à la croix? Il fallait dire, monsieur, Jésus-Christ est mort à la croix, il est ressuscité. Il sait. Tu peux me réciter vers ça. Mais qu'est-ce que l'impact de Jésus? Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? C'est ce qui va l'intéresser. Il n'aime pas un témoignage. Ce qui est sûr, il y a le ciel. Moi, je vais dire, hey, monsieur, je vois ce qu'on mange. Il dit, voilà. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Dieu a quelqu'un qui se bénit. Ne jouez pas avec la vie des démons. Non. Tout se détermine là. Amen. Le 30, vendredi 30 novembre. Non. Chacun doit verser une. C'est ça. Pour dire, toi déjà 2015 là, je rentre en possession de 2015. Alors en janvier, j'ai détruit ce qui devait arriver. Tout se prépare. Tu veux aller faire mariage, ça se prépare. Ça ne s'improvise pas. Tout ce qui se fait dans l'improvisation, ça se gâte. Combien? Ça se gâte. Tu vas aller. Mais je ne m'en comprends pas. Tu prépares, tu veux me prendre comme ça pour dire aller en voyage. Toi, mais tu sais que tout doit se préparer. Tu dois mettre temps, savon, pâte. Tout. Qu'est-ce que tu as fait pour comprendre en 2015? C'est pour ça que la veille des nouvelles est bonne. Pas toi. Amen. Il ne faut pas que l'ennemi mette ses racines. Demain à cette veillée, après la veillée, j'ai posé un arbre prophétique, j'ai fait un bûcher. Ouais. Parce que chacun va parler, jeter le nom de ces diables. Moi, je l'appelle tous aussi, je l'appelle les diables. Nos ennemis, ce sont les diables. Il y a des gens qui ne doivent plus nous suivre en 2015. Je ne dis même pas amen. Amen. Non, il y a des gens qui ne doivent plus nous suivre. Amen. Quand vous lisez le psaume 60, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Lui, il écrasera nos ennemis. Lui, il écrasera nos ennemis. Il faut que tes ennemis soient toujours écrasés. Amen. Il faut que tes ennemis soient écrasés. Amen. On dit amen. Amen. Est-ce qu'on va bien saisir? Amen. Donc, la journée de demain, c'est une journée très importante. Déjà à partir de 7h30, si vous savez qu'il est déjà 2h du matin, commencez à faire votre. Déjà avant de dormir, faites déjà tout ce que vous voulez avoir. En 2015, écrivez ça. À 2h du matin, vous avez peut-être 2h, 1h, 1h, de 2h à 3h. Commencez à parler. Amen. Amen. Je vous donne un mystère. C'est des choses que les gens maîtrisent. Cette nuit-là, elle est beaucoup importante. Toute cette année-là, la nuit-là, elle est très, très, très importante. Commencez déjà à parler. Amen. 2015, telle chose que tu as dit. Vous allez voir que la nuit va commencer à enregistrer les choses. Et demain, vous allez commencer à rentrer en possession de l'année. Vous allez voir que les choses vont commencer. Que Dieu bénisse. On ne jouait pas la nuit, cette nuit, depuis la journée de demain. Tout à l'heure, pour ceux à qui l'on doit faire l'onction d'huile, on aura le pardon tout à l'heure. Je le souhaite demain. Demain, il n'y aura pas. Et demain, je vais recevoir à partir de 9h. Ceux qu'on n'a pas pu recevoir aujourd'hui, on va les recevoir demain. Mais en même temps, demain, je vous donne l'occasion de jeûner. Amen. On a le temps de nous préparer spirituellement. C'est, la journée elle est beaucoup importante et demain je crois que tout le monde a été à la veille. J'exhorte à tout le monde d'avoir au moins une bouteille pour verser sur sa tête. Parce qu'il faut avoir quelque chose de marque. Qu'est-ce que tu as fait pour stimuler ça? Amen. Tout ça c'est important. Quand vous regardez un peu la traduction juive,
de lune manquant chez les Juifs. Moi, chaque fois qu'il y a un mois qui va se terminer, je reste. C'est comme l'huile d'un moteur. Ça doit se renouveler. Tout va se renouveler cette année. Alléluia. Vous dites amen. Le poids spirituel, c'est tout. Plus tu deviendras spirituel, plus l'ennemi aura peur de toi. C'est tout. Allons-y. Le psaume. Le psaume 89, écoutez très bien. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai point de mon huile sainte. Oui, je l'ai point de mon huile sainte. Ma main le soutiendra. Et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. Et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires. Amen. À cause de l'onction, j'écraserai devant lui ses adversaires. Et je frapperai ceux qui le haïssent. Amen. Vous savez, celui qui te hait, il va chercher à te nuire. C'est ce que la Bible dit dans le livre depuis des gens. Celui qui la haine, mon frère, t'aime à tuer. Celui qui te hait, je te cherche à te tuer. C'est un sorcier. Il dit, je frapperai. Celui qui va commencer à t'haïr, c'est celui qui va te tuer. Amen. Il faut que nos ennemis soient confondus. Il faut que Dieu confonde tous nos ennemis. Alléluia. Je vous fortifie, soyez des hommes de prière. La vie n'en est vue qu'une seule fois. Ne jouez pas l'autre. Les gens mettent la négligence partout. Les gens s'amusent avec tout. Ne jouez pas. Ne jouons pas. Nous avons la vie qui est Jésus. C'est pour vivre. Et Jésus nous a tout donné. Amen. Jésus nous a tout donné, frère. Il nous a tout donné. Quand vous regardez la parole de Jésus à la croix, il dit tout est accompli. Ce n'est pas de l'amusement. Amen. Que ce soit dit, tout pouvoir m'a été donné, je vous envoie. En vous équipant, donnez le pouvoir. Nous avons le pouvoir de la domination. Celui qui devons dominer sur tout. Amen. Alors si tu étais le seul chrétien, moi du moins chrétien, je lui dis quoi? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi pour vous établir. Dieu t'a choisi pour t'établir. Dans la gloire, c'est pas dans la pauvreté, dans la misère. Amen. 2015, vous allez apprendre beaucoup de choses. Amen. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Nous devons posséder beaucoup de choses. C'est nous qui allons régner sur la vie. Nous allons régner dans ce pays. Nous allons avoir des affaires. Nous allons avoir de l'argent. Que Dieu nous donne l'argent. Amen. L'argent, c'est important. Ce n'est pas l'argent qui est possédé. Les démons. On va commencer à t'attaquer. Ah, c'est pas là, il va te posséder. Si tu finis de gêner, tu manges quoi? Et quand tu vas commencer à avoir faim, l'esprit méchant va venir. Le jour où Jésus a eu faim, les démons disent, ah, il est écrit. On dit, le tentateur s'est approché. Le jour où tu auras faim, le tentateur va s'approcher. Le jour où tu auras un besoin, le tentateur va venir. Celui qui a l'argent, et celui qui n'a pas l'argent, il n'a pas la même manière de faire prière. Quand celui qui n'a pas l'argent se lève matin, vous savez ce qui se passe sur son visage. On appelle, je n'ai pas d'humeur. Amen. Pourtant, la vie soit toujours joyeuse. Dieu, amen. L'or et l'argent appartient à son Père. Alléluia. Le psaume 23, c'est fini. Quand vous parlez, proclamez le psaume 23. Parlez. L'Éternel est mon berger. Pas je ne manque rien, c'est le futur. Je ne manque de rien, c'est le présent. C'est dans la vraie version hébraïque, c'est le présent. C'est ce qu'on appelle la prière prophétique. On emploie au récipient de foi. On ne récite pas le psaume. On fait une proclamation de foi. C'est pas récité. On fait la proclamation de foi. Comme l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Et quand tu dis qu'il ne manque pas de quelque chose, ça doit venir. C'est ce que tu appelles proclamation de foi. Or, la foi est une formation de ce qu'on espère, elle se démontre. Et tu l'as démontré par ta parole. C'est pour ça que je ne joue pas le son 23. Avant de sortir de ma chambre, je proclame le son 23. Vous savez, les Libanais, vous voyez là, les chapelets là. Parce que la Torah, une partie dans cette saison, se trouve dans le Coran. Et tous les Juifs le répètent. Le son 23. Amen. Il y a trop de choses que vous devez connaître. Et il y a trop de choses qu'on doit vous apprendre. Amen. Il y a trop de choses. Que Dieu nous aide. Amen. Avoir Jésus, c'est une bénédiction. Amen. Dis à quelqu'un que tu es béni. Avoir Jésus, c'est une bénédiction. Et les gens qui sont là, c'est parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Quand Jésus dit, ce n'est pas moi,
C'est pas vous, c'est moi qui vous ai choisi. Mais c'est merveilleux. Plus je lis la Bible, je finis par comprendre que c'est une grâce. C'est comprendre le mot grâce. C'est-à-dire, quand tu ne sais pas, tu peux connaître la définition de grâce. C'est-à-dire, vraiment, être tout ce que tu as en Jésus, c'est vraiment une grâce. Amen. On fera de vous des hommes forts. Soyez organisés. Soyez comme organisés à matière d'enseignement, à matière de mystère. Comment aborder une journée? Comment à possession d'une affaire? Comment quand quelqu'un te donne un rendez-vous, tu ne dois pas échouer? Vous savez, il y a tout ça dans Jésus. Vous me regardez. Vous savez pas que Jésus est anti-accident. Oh, vous faites des lâches. Et là, c'est 54 versets 17 qui vont. À forger contre toi sera sanctifié. L'âme que le diable utilise, c'est pas accident, c'est pas une âme. On est si le diable utilise contre toi sera sanctifié. Vous battez, prendre fer, vous vous blessez pour avoir cancer de doigt. Ça devient noir quand vous avez cancer de doigt, on amplifie vos doigts. Fer. On va pas les prendre ceinture de sécurité, mais sur lui. Là et là et là, là, là et là. Le jour la nouvelle ceinture pour se laver, chercher la prise. Vous avez aussi vous abusé. Nous, les Isaïe 54, c'est dans notre sang. Dis amen. Amen. C'est tout. J'ai dit à mon chauffeur, le jour que tu me vois assis, il faut que tu me dis mon Dieu. Derrière, il enlève tes doigts. C'est un il enlève tes vagues. Non, c'est-à-dire, il enlève ça. Mon Dieu, je ne mélange pas les choses. Tu es là pour un travail, je suis ton patron. Moi, mon Dieu, me protège. Le jour où on a eu accident sur l'autoroute, tu fais quoi là? Hein? Tu fais quoi là? Hein? Hein? Éternité. Allez-moi, il est rejet. C'est lui-même qui se rejette, ou bien? Hein? Là, c'est lui là-bas. Hein? Je ressemble à quelqu'un qui rejette quelqu'un. Oui. Hein? C'est pas juste aussi. Est-ce que moi je ressemble à quelqu'un qui doit bien. Si j'ai manqué d'expression. Non, tu m'as pas. Tu fais exprès. Tu m'as pas d'expression. Tu comprends même mon français. C'est-à-dire que tu me fatigues. En tant que tu as des choses à dire, tu ne dis pas. C'est quand je parle, tu commences à parler. Je parle, tu parles. Je ne sais pas que tu sais parler français. Attends, mon frère. Quand je parle, tu laisses pour moi même si tu m'en mets loin. Lève-toi, lève-toi. Tu es prêt à parler. Tu es prêt à parler. Tu parles mal. Oui. Tu es prêt. Oui. Hein? Oui, mon frère. Je suis aussi prêt à t'accepter. Amen. Oui. Je suis prêt à t'accepter. Si toi tu es prêt, lui, tu es prêt à t'accepter. Il ne faut pas jouer à l'hypocrisie. Esaïe 54, verset 17, tu dois s'accomplir. J'ai raté l'accident. Autoroute, pleuvait. Le chauffeur était en plein. La voiture est partie, ça s'est tourné comme une boucle. Comme ça, sur l'autoroute. Les gens regardaient. Jésus était déjà mort. Moi, j'étais serein. Je remercie Dieu parce qu'il va accomplir sa parole dans ma vie. J'étais dans le ravin. La vidéo est là. J'ai même la vidéo. Moi, j'ai filmé. Quand je suis sorti, mais j'ai commencé à filmer la voiture. Pour moi, c'est un témoignage. Amen. Il dit, je verse ma parole pour l'accomplir et l'exécuter. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? C'est tellement merveilleux. C'est pas quelqu'un de crasseux. Il est tellement merveilleux. Les gens demandent, est-ce qu'il n'y a pas de cadavre? Il dit, tellement qu'il y a un cadavre. Il a commencé à bondir. Tout est passé. Parce qu'ils ont tous vu la voiture. Il y a un petit accident dans Jésus. Amen. Moi, ça vous prend en tête de Jésus. Vous pouvez entendre. Quand en tête, ça vous choque. Anti-accident, c'est extraordinaire. Amen. J'ai anti-physique. Ça vous fait bizarre. Mais toute âme, c'est quoi? Le dozo qui sorcier, qui dit rentre pas sur lui. Et si l'autre a rentré? Ça dépend de. Chacun vit sa foi. Moi, je me suis consacré. Je dis que c'est le jour qui joue à la fin de mon corps. Quand je reviens au ciel, parce que je ne vais pas en faire, j'ai été chassé du trône. Et moi, j'ai fait la deuxième réveillance.
Ça vous choque. Dis mon papa. À lui, il peut parler comme je sens de lui parler. Il n'a pas peur de lui dire la vérité. C'est quand moi, c'est lui qui m'a dit ici, mon papa. Donc je lui dis, il faut respecter ta parole. Il ne peut plus aller chez Pétitien. Écoutez, entre Satan et Dieu, qui copie sur ta parole. Si vous avez compris ça, vous allez voir que rien ne peut vous arriver. Amen. Satan lui s'approprie la puissance. Vous faites croire que non, c'est avec lui, il y a un petit accident. Pour venir faire plus mal. Ésaïe 54, verset. Un sorcier a tiré sur moi dans un filet qu'on appelle Azé Bébé. Il tisse moi, voir tout le monde. Parce que si on lui l'appelait, je maîtrise sa compagnie. C'est ça que j'aime trop du là. Il y a longtemps, il n'y a pas. Après, mon nom, du là, il y a quoi? Depuis là, je n'ai pas attrapé sorcier de village. J'aime quand je suis dans le village, je suis libre. Je fais une réunion avec les gens, pour les gens disent, tu es libre. Oh là là. C'est ça, on dit, je suis en train de travailler. Non, petit sorcier, il est parlé, lui là. Il dit, parle, il parle, il est là. Oui, c'est ça, puis qu'on va parler. Tu as parlé ton œil, oui, après les chats. Ça ne m'intéresse pas. Je préfère dans le village, où je dis, où je suis venu vous prendre. D'accord? Oui, au revoir. J'aime trop ça. Parce que Dieu est un Dieu de défi. Et puis Dieu est un divin spectacle. J'aime bien ça. Le gars est ici, moi. J'ai maîtrisé toute sa complète. J'ai commencé à parler à la terre, parler à la terre. Les sorciers sont commencés à venir. Matin, viens. Ah, nous, on veut laisser sorcier venir. Ah, nous, on veut laisser sorcier venir. Ah, mettez-vous là. Mettez-vous là. On fait ça avec qui? Pourquoi moi, je travaille dans le village? Si tu veux laisser, tu fais avec qui? Il fait comme ça. Quand vous êtes neuf, allez, allez, allez. Dieu, vous, il est tous les neuf. Et toi, tu peux pas arrêter de manger, puis les gens continuent de manger. Donc, j'arrête toute la confrérie. Si elle a 9 confréries, parce qu'il ne peut pas avoir 10 confréries. Ma confrérie, il peut avoir peut-être 120. Même confrérie. J'arrête tout le monde. Je mets tout le monde aux arrêts. Et puis, je leur explique que ce n'est pas bon. Je les sensibilise. D'accord? Et puis, je leur dis, mais je vais vous soigner. Qui est prêt? Oui. Puis, je commence à faire mon traitement. C'est délivrant, il n'y a pas de traitement. Il faut leur expliquer comme ça. Des mots scientifiques comme ça, ils vont bien comprendre. Vas-y, dis délivrance, ça va pas mal. Et puis vous êtes malade. Quand j'aurais dit qu'ils sont malades, ils sont prêts à se faire soigner. Et j'aurais dit, vous savez pourquoi vous êtes malade? Parce qu'on ne mange pas non. Donc vous êtes rentré dans une confrérie quelque part où on vous demande de donner quelques méchères. Et par moment, vous ne voulez pas, mais comme c'est une tontine humaine, vous êtes obligé de donner Zadi. Tu pleures, puis tu manges Zadi. Ça fait rien, mais le jour est prêt pour toi. Il mange ses oreilles.